l'autre fois encore, bonjour, bonsoir tout le monde. Nous retournons pour porter pour vous une nouvelle fois cap dominer actualité politique là. Déjà nous souhaitons bienvenue sur réseau Parola, gros réseau, réseau information, hein. Sophia TV 83. Abonnez, partagez et puis commentez sur gros réseau Parola, réseau information, hein. Sophia TV 83. Dis-moi direct dans le tribunal correctionnel là, côté juge là t'es cité des journalistes Gary Pierre-Paul Charles et Guerrier Diesel de Radio Caraïbes comme témoin dans l'ite bataille ancien sénateur ou apmené côté yo traîné président République là Jovenel Moïse devant la justice. JPPC en direct à côté n'a pas là accompagné sénateur Jean-Renel Senatus d'après JPPC qui pi brillant comme avocat au lieu le sénateur. En suivre plus explication à confrère nous Gary Pierre-Paul Charles en direct dans tribunal correctionnel là côté sénateur yo a discuté pourquoi il est là cause yo gagne ak président République là Jovenel Moïse. Ou live sous gros réseau Parola Sophia TV 83 dans séance plaidoyer qui opposait avocat président République là maître Renaud Georges ak avocat sénateur Jean-Renel Senatus et consort. En côté yon après l'autre Jean-Renel Senatus ak Gary Pierre-Paul Charles sous gros réseau Parola réseau information Sophia TV 83. Content, je suis capable d'intervenir là, mais je dis nous, dans le dossier qui opposé sénateur à président de la République là, et pour nous prendre mon sénateur Senatus, au président Jovenel Moïse, et il était cité deux journalistes haïtiens comme témoins, Gary Pierre-Paul Charles et Guerrier Diesel de Radio Caraïbes. Donc, ce matin, et comme moi-même, vous voulez prêcher par l'exemple, donc, ayant été invité comme témoin, bien ce matin, j'ai pris toute la disposition pour me descendre, pour m'aller et de arriver dans le correctionnel de façon à ce que moi, puis me présenter comme citoyen, parce qu'il y a un système dans le dossier de justice, mais qui gère tout une connotation politique. Une fois arrivé, il était à vivre un événement particulier avant même de laisser un temps, commencer ma suivante particulière. Je crois que, de toute façon, avant même de me dire toute la guerre, il faut que pour le parquet, pour le tribunal, parce que l'État, l'espace côté des avocats, parce que j'ai entendu des hommes de loi intervenir avec une fonction intellectuelle extraordinaire, je crois qu'on méritait une autre traitement. Au mérité ou votre espace. Okay? De l'Haïti de demain que nous allons construire et que j'invite également les journalistes à faire des reportages, des enquêtes autour de cette situation, il est anormal à ce que nos hommes de loi évoluent, le commissaire du gouvernement évolue dans cet espace client, là où, côté, ou pas d'espace pour évoluer bien, ou pas d'espace pour réfléchir. Cependant, qui va la constituer, le sénateur. Et Jean-Renel Senatus, hein, c'est monsieur qui t'a porté à faire là, avec brio, et en face, c'est gagné, et mettez dans Georges et sa fille, et c'est gagné, en plus l'avocat dans ce là, et le ministère public est là, nous avons suivi le débat de façon. Mais, dossier de subtilité, et qui te gagné, non, poussière, non, le déroulement débat, ma conseil débat est extraordinaire, pour qui j'en, mais de toute façon, moi pensais, le sénateur Senatus était moins brillant comme sénateur parce qu'il est plus brillant comme avocat. Donc, j'aime que je présente cette question. Donc, moi, pense que le sénateur Senatus s'est perdu un cran de s'allier dans la ville parce que là, il a fait sénat de la République pour mettre dans la situation comme ça. C'est un homme extraordinaire comme avocat. Et pour comprendre situation, moi-même, je déduis, parce que tellement de subtilités, je déduis. Affaire là, c'est que avocat président qui s'est mis dans un avec petit cri, même s'il y aurait départ le ministère public, il m'a demandé pour y aller dans le cours de jeu et pour aller pour porter atteinte au tribunal, qui est plus important parce que juste de là, pas de qualité pour tendre à faire ça. Et la question assise avec son avocat évoqué, si pas de l'autre côté, nous entendons affaire, juge là, automatiquement, il y a qualité
tout temps à faire. Mais c'est un bagage extraordinaire. Mais pour mieux comprendre tout ça, je vais inviter le sénateur Sénatus, qui a beaucoup plus de détails comme avocat, sur cette question-là. Sénateur Sénatus, bonsoir. Et maintenant, c'est le Québec. Donc, sénateur, dis-nous, et nous te rappelons, exception, c'est soulevé. Les droits où tu as fait, est-ce qu'on a résumé le pays pour te montrer que le juge est compétent et que le prévenu Jovenel Moïse, c'est lui-même, moi, tant en bas, non correctionnel. Notre Dieu, faut que nous fassions comprendre à la population, j'en dis-il, nous faisons une procédure qui est une procédure juridico-politique. Et il absurde des objectifs politiques, pendant qu'il absurde des objectifs juridiques pour le bien de l'état de droit et de la démocratie en Haïti. Maintenant, nous arrivons dans le tribunal là, j'en dis Powell, avocat président, licencié noyé. Cependant, le ministère public là, c'est venu à erreur, à faire une intervention qui était estimée que c'était prématuré. Une intervention qui l'a fait en retard, ça nous cause des pas de l'initiative pour effectuer ses compétences en raison de la personne que le souverain pour le président Jovenel, selon l'article 146, constitution, il est passible car devant la haute cour de justice. Mais en, pendant que le fait aller à tout ça, tout, le ministère public pouvait connaître le président Jovenel comme le coupable de des listes et crimes que nous reprochons. Parce que l'idée de la constitution, les crimes commis, ce n'est pas les crimes qu'il aura commis, c'est les crimes commis dans l'exercice de ses fonctions. Et nous, comme avocats, nous sommes en pédagogie pour notre président qui sa fonction au président de la République. Par exemple, est convoqué à l'Assemblée nationale à l'extraordinaire, déclarer la guerre, déclarer l'état d'urgence, etc. Et avant déclarer la caducité du Parlement, il n'est pas rentré dans l'attribution du président, encore moins lorsqu'on connaît le déclarant de la bonne masse des institutions. Et partant de ça, c'est avancer ça, avocat, s'il vous plaît, nous prenons acte pour nous montrer à juge-là que l'avocat reconnaît que le client aura les fautifs et qu'elle doit condamner. Monsieur fait appel à un recours de justice, alors que dans l'article 8 convention américaine relative aux droits de l'homme, non. Il dit tout le monde qui pensait qu'aux victimes d'un acte, qui ont l'autre monde d'affaires, ou qui ont droit à un juge, ça aurait le droit des droits. Maintenant, on est qu'on fait naître rapidement le droit que nous avons nous autres pour saisir un juge. Maintenant, par ailleurs, non seulement saisir le jugement, mais on va questionner tout sur la disponibilité de cette juridiction, l'existence de cette juridiction. C'est là que je suis venu avec la théorie ultra-violette que malheureusement, vous mettez sur le tel du CT ou le tel privé. Parce que vous comprenez une situation et vous montrez qu'à Ottawa, c'est gagné de trois côtés tribunal militaire, c'est qu'on jugeait des civils, parce que les tribunaux civils n'existaient pas à cette époque-là. Vous nous démontrez jugement compétence. Mais nous allons montrer jugement à l'incompétence. Parce que, ça nous reproche après ce jour-là, nous avons cherché une instruction criminelle. Rien de jour poser un acte qui est appui de fonction, article 5 constitutionnel dit, pénance et réclusion. Nous choisissons aller devant le juge constitutionnel là, parce que nous ne pouvons pas aller devant le commissaire gouvernement. Aller devant le commissaire là, le commissaire a placé une situation sous par ses présidents, qui nomme, qui a révoqué. Aller devant le juge constitutionnel, je nous suis envoyé de faire quand même par le commissaire gouvernement pour qu'il y ait un titre de tout. Nous choisissons aller devant le juge constitutionnel là, parce que la loi dit, dès que le juge a reconnu ses compétences en raison de la matière, lui doit faire venir mon lieu devant, et puis vous le marier dans le concret, pour le lieu devant le cabinet de soutien. Mais même là, on comprend, le juge a devant une histoire qui doit le bouler là, comme un jeune juge. Cependant, la loi est dure, c'est la loi. On applique la loi contre Dieudonné, contre Jacob, même si on applique elle contre président Jovenel ou sénatus qui violait la loi. Aussi simple que ça. Et maintenant, c'est un statut. J'ai besoin de petit M. George, là, avocat, ici c'est un avocat et président. Il dit, comme Jusla, comme il est compétent, donc il n'a pas des droits lui-même pour tenir compte d'exception, nous-mêmes, nous souvenons. Non. Pas que ça. Malheureusement, petit George, là, alors, son jeune avocat, mais si George ou est George, d'après se voir pile de bois dans le tribunal là, et la petite qui n'est pas d'après un coup. Elles sont prêtes.
des procédures que l'État peut concerner, pour comprendre. Et là, je suis à l'article 166 du Code d'instruction criminelle. Il dit, si des pouvoirs faire, si on fait qu'il a emporté une peine afflictive ou infamante, si il n'a pas rien de pour le faire, que décerner un décret ou bien prendre une décision pour le faire. Donc, la dame là, nous avons téléphoné à peut-être juste sénateur Synapsis. Et nous parlons, rejoindre sénateur Synapsis parce que peut-être pas passé dans une zone qui n'est pas une volette. Nous parlons, c'est rejoindre nous. Nous avons appris tout le monde que c'est Jodia et vos juges au conditionnel, capitaine des affaires, qui des rapports à sénateur qui dit Mazdaïo pour confirmer et. Et une invitée de là, c'est le sénateur et Synapsis nous parle ici. Oui, sénateur Synapsis, oui. Oui, Gary. Vous avez dit, 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 une procédure peut-être, et M. Georges, la fille, Coco, Rivé, pénétré. Et là, nous sommes dans l'article 166 du Code d'instruction criminelle. Qui dit si le fait mérite une peine afflictive ou infamante, rapidement, si la bagarre est pour le fait, que prend Mounio à tout dossier à Marie-Pierre Coucrat, voyez devant le cabinet d'instruction. Donc, c'est ce que nous attendons, nous. Ok, maintenant, la fille de Madone a évoqué, nous battons sur la salle là, parce qu'elle me dit, ouais, vous devez sortir pour pas faire pour pas plus malade, dans la salle là. Même si vraiment plus malade, ça veut dire pour pas mettre petit George là, donc, au mur, il évoquait le fait que. Et tout le monde était là, nous-mêmes, nous sommes sénateurs, parce que nous ne pouvons pas reconnaître que nous sommes sénateurs actuellement. Il dit, là, nous sommes sénateurs, nous avons une possibilité pour nous travailler sur ce qui est autour de ici. Ça, comme nous ne pas faire, dans ce chaos, nous ne pouvons pas bénéficier de Pope Erwan. C'est ça, c'est le plus possible. Malheureusement, pas là. Là, encore, nous avons dit, à petit jour, il faut que les mieux que papa. Nous avons dit, il faut que les mieux que papa, il faut le dépasser papa. Et il y a des efforts par rapport à vous. Quand les gars, vous n'êtes pas pour oui, l'envie, non. Nous devons vous dire quoi? Vous dire que n'y pas comprendre pour ce qui là et ça n'a pas l'air. On va vous dire que qui va comprendre là. Parce que pas rien de la loi, en rien de la jurisprudence, en rien de la doctrine qui a parlé. Donc c'est autant perdu en fait, intellectuellement. Parce qu'on passe là, non pas que nous avons petit parité, nous disons là. Nous disons que ça, le Moshita, moi-même Moshita, la tortue Chita, nous et Oxylus. Mettre Cartichon, mettre l'acte de qui a fait droit avec lui, avec Pope, nous sommes dans son bel débat.